Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis ultra content de faire. Ça change parce qu'en ce moment il nous arrive que des galères, que des mauvais trucs. On a plein de problèmes, des gens qui rentrent chez nous la nuit, tout ça. Bon, vous savez, si vous suivez la chaîne, si vous n'avez pas vu les dernières vidéos, allez les voir. Parce que franchement, il se passe trop de trucs. Là en ce moment, on n'en peut plus. Mais aujourd'hui, une super nouvelle. Je vais parler un peu plus bas parce que c'est une surprise pour Lily Rose. Là, vous voyez, elle n'est pas dans ce début de vidéo. Elle n'est pas dans sa chambre. C'est normal, elle attend au sous-sol. Voilà. Je lui ai dit de se cacher au sous-sol pendant 5 minutes parce qu'aujourd'hui, on attend une giga surprise. Vous savez que c'est bientôt Noël. Le Père Noël va bientôt passer. J'espère que vous avez fait vos listes pour le Père Noël, tout ça. Enfin bref, voilà, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. On va faire une sorte de prank. Alors c'est un prank positif à Lily Rose. On va redécorer toute sa chambre en Noël. En fait, j'ai acheté un sapin énorme qui va aller jusqu'au plafond et tout. Enfin, vous allez voir. Donc là, logiquement, Peppa Pink attend en bas avec tous les cartons. On est allé les chercher. J'espère que ça va bien se passer. On a fait les courses toute la journée. Lily Rose, elle ne nous a pas vu de la journée. Elle se demande pourquoi. Donc c'est parti. J'espère que tout est... Peppa Pink? Peppa Pink? Non mais... Les cartons ils étaient là. On a acheté un sapin géant, on a acheté des boules de Noël XXL et tout. Enfin, il y avait même des cadeaux là pour le calendrier de l'Avent géant. Attends, mais c'est quoi? C'est pas Peppa Pink? C'est quoi ce truc? C'est qui? Attendez, parce que les chats ils vont sortir. Et sortez pas, il y a un inconnu devant la porte, sortez pas comme ça. Non mais oh, ils font n'importe quoi. C'est qui? C'est le Père Noël. Comment ça c'est le Père Noël? Non mais n'importe quoi, on est le 5 décembre, comment ça c'est le Père Noël? Allez, les amis là ça craint, je sais pas quoi faire. Bon écoutez, je vais rien dire. Non mais, ah, non, mais vous êtes qui? Ah. Non mais... Reviens, c'est Père Noël! Comment ça, c'est le Père Noël? Mais je viens prendre les commandes pour Noël, bien sûr, comme ça. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais c'est quoi ce bazar? Bah, tu peux m'appeler Père Noël, hein? Non, mais c'est bizarre, vous ressemblez. Vous ressemblez, mais en même temps, vous ressemblez pas. Bah, si, tu vois bien! Qu'est-ce que c'est? Bon, attendez. J'ai une barbe de Père Noël. J'arrive, Père Noël. Il y a mon chat qui est sorti. Oh, mince, le chat, il est sorti devant la maison en plus. T'es où? Le chat il s'est enfui, il faut que je le retrouve, sinon Lily Rose elle va pas être contente du tout. Bon, écoutez les amis, ce Père Noël là, il ressemble vraiment beaucoup au vrai, mais en même temps je vois pas pourquoi il serait là quoi. C'est même pas Noël. Bon, écoutez, je vais rentrer, et le pire c'est que les cartons on les avait déposés dans le couloir et Peppa Pink est pas là. Bon, pss. Ah t'es là enfin. Ah bah oui je suis là mais... qu'est-ce que tu... Regarde, j'ai un petit cadeau pour toi. Montre. Regarde, un petit calendrier du Père Noël. Ah, mais c'est mon calendrier de l'Avent, ça. Non, non, c'était c'est moi qui l'ai ramené. Il était sur la table. Comment ça? Mais non, je l'ai ramené. Attends. Attendez, Père Noël, attendez. Bon, les amis, je coupe la caméra là parce que c'était pas censé se passer comme ça. Bon, les amis, c'est bon. J'ai rallumé la caméra là. Il s'est passé un gros problème. Donc, je me suis caché un petit peu, j'ai attendu. Et là, le Père Noël n'est plus dans la maison, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas s'il est parti dans une autre pièce ou autre. Là, je me suis mis au sous-sol parce que j'essaie de retrouver Lily Rose et Peppa Pink. Je sais pas s'il est parti là pour... les prévenir qu'il y a un gros problème et qu'il y a une sorte de vrai ou faux Père Noël, je sais pas, qui est rentré chez nous. Enfin bref, je sais pas ce qu'il veut, mais c'est très bizarre. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit message à tous les gens qui ont commandé sur le Pink Lily Shop, voilà, notre album ou des pulls, etc. Ne vous inquiétez pas, les colis arrivent, c'est juste qu'il y a eu énormément de commandes, du coup on s'est retrouvé en rupture de stock et on a eu plein de problèmes, enfin bref. Mais tout va arriver avant Noël, vous inquiétez pas, on est en train d'envoyer tous les colis petit à petit. Donc tout arrive avant Noël, tous ceux qui commandent avant le 20 décembre c'est sûr. Bon, allez c'est parti, je vais chercher un petit peu. Lily Rose, Peppa Pink, vous êtes là? Eh oh. Avant de démarrer la caméra j'ai un peu cherché, mais j'ai pas l'impression qu'il soit là. Bon,
Je vais retourner dans la chambre de Lily Rose. Peut-être qu'ils ont décidé de remonter. Et puis même moi, ce qui m'inquiète, c'est toutes les décorations qu'on avait prévues pour Lily Rose, quoi. Elles étaient toutes dans le couloir et j'ai l'impression qu'elles ont disparu comme si qu'on les avait volées, quoi. Eh oh, Lily Rose, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oh, Père Noël. Non, mais qu'est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que tu fais? Bah rien. C'est mon sac de jouets. Sac de jouets. Oui, bon, allez, écarte-toi. Non, j'ai pas que ça à faire. Non, mais c'est pas le jour de Noël, qu'est-ce que... Oui, mais comme je t'ai dit, je prépare... Montre-moi les jouets. T'inquiète, mais c'est une blague, ouvre. Mais c'est les affaires de... c'est les affaires de Lily Rose. Bah non, c'est les jouets que je vais offrir aux enfants. Mais comment ça? Mais c'est les affaires de... C'est les affaires de Lily Rose. Ah, mais je suis sûr que t'es un faux Père Noël en fait. Mais non. T'es rentré chez nous pour nous voler des trucs. Regarde, c'est les sacs, c'est un sac que je vais offrir aux petits enfants. Mais on prend pas. Elle a un même sac pareil, Lily Rose. On prend pas aux gens pour offrir à toute personne. Oh là là là, mon grand sac. Attends. Non, ça va pas se passer comme ça. Et je pense que c'est toi qui as pris toutes les décorations de Noël qui étaient dans notre couloir aussi. Non, reviens ici. Ah non, c'est pas moi. Je te rattraperai. Non. De toute façon, c'est fermé à clé en bas. Non, j'ai bien fait de fermer à clé, il pourra pas sortir. Ah là, je pense, les amis, vous inquiétez pas. De toute façon, c'est un faux. Je pense que c'est un faux. En même temps, j'étais bête. Pourquoi je lui ai ouvert? Tu m'auras pas. Reviens ici. Non. Alors, tu vas nous expliquer où tu as mis toutes les décorations de Noël. Lâche-moi. Toutes les décorations de Noël. Mais non, je t'ai dit, je suis le vrai Père Noël et je dois préparer Noël pour les enfants. Oui, bien sûr. Ah, avec non. une barbe comme ça. Laisse ma barbe. Ça se voit que t'es un voleur déguisé. N'importe quoi. Oh là là. Bon, vous inquiétez pas les amis, le vrai va passer le 24 ou le 25 décembre, ne vous inquiétez pas, mais lui c'est un faux, il faut l'attraper, si vous le voyez à côté de chez vous, prévenez-nous aussi parce que on sait pas de quoi ils sont capables. Lui je peux l'avoir? Mais c'est pas un renne, c'est un chat. Non mais... C'est le chat du Père Noël. Je sais pas par qui vous avez été envoyé, mais ça n'a pas marché votre stratégie. Une fois que j'aurai retrouvé Lily Rose et Peppa Pig, vous allez voir ce qui va se passer. Mais non, ils sont pas là, ils sont en train de faire des courses. Comment ça, ils sont en train de faire des courses, n'importe quoi. Bon, ne vous inquiétez pas les amis. Il ne peut pas sortir. Mais bon, moi il faut que je vérifie s'il a pas pris trop d'affaires chez nous. Parce qu'il avait ce sac, mais il y en a peut-être caché d'autres et il a peut-être pris encore plus d'affaires. Bon, de toute façon, moi, je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il va pas vous embêter, il va pas venir chez vous, parce que je vais appeler la police. Bon, écoutez, monsieur le voleur de Noël, là. Hein ? Ah bah, il continue à prendre des affaires. Mais non, c'est des affaires que j'ai ramenées pour toi et Lily Rose. Je vais appeler la police, monsieur. Comment ça, la police ? Oui. Et cette fois-ci la vraie. Bon, non, les amis, je vais pas tout filmer. Peut-être qu'on fera un épisode 2, les amis, où on piège le faux Père Noël. Mais en attendant, vous pouvez cliquer sur une vidéo qui apparaît juste là. Voilà. Et moi, je m'occupe du faux Père Noël. À tout de suite.